allez, changement de partenaire maintenant. On va faire jouer Ariane et Lucille. On va faire jouer Cyril. Mais il fait de la musculation, il fait des squats. Oui. Oh. Tu fais de la muscu. Bah ouais, j'essaie, tu sais. Il fallait que je me débarrasse de ce corps de petit garçon. Ah bah oui, que c'est tu vrai as. Qu'il mais non, mais tu passes très bien l'antenne. Je t'ai vu sur France 3, 17h30. Oui. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans Slam. Et franchement, c'est un jeu très agréable également. Je te remercie. France 3. Merci. Et alors, Ariane, le titre de son spectacle est parfait. Ariane Mytho. Ça ne veut pas tout dire, mais c'est très agréable à voir. Nicolas, 6 points. Lucille, 8 points. Deuxième partie des qualifs. Au terme de ces qualifs, la finale. Au terme de la finale, vous avez vu, là, comme tout d'un coup, là, plus personne ne rigole. Pesant, hein. Au terme de la finale, 20 000 euros. On rigole moins, là, Nicolas. C'est sérieux. C'est quand même autre chose. Attention, c'est Cyril qui vous fait jouer. 30 Allez. Secondes, un point par mot. Grimper. Monter. Grimpette. Escalade. Lion. Tigre. Région. Je passe. Fleuve. Italie. On passe. Branché. À la, mode. Séduire. Séducteur. Non, verbe. On passe, pardon. On passe, c'est bon. Bonus. Salut. Bonus, ça marche. C'est dragué. Ça marche. Branché. C'est ça que je te fais. Alors, branché, séduire, c'était draguer. Draguer, ouais. Ouais. Ça fait 2 points avec la grimpette d'escalade qui a bien marché. 8. Lucille. Toute la France vous regarde maintenant. Devinez les mots d'Ariane Brodier. 30 secondes. Maison. Pavillon. Rouge. Passe. Pierre. Brique. Suisse. Genève. Calme. Excité. Calme. Agité. Passe. Mafia. 2 points supplémentaires, ça fait 10. Brique. Un petit peu de temps, mais en tout cas, ça a marché. Genève. Et puis, calme, le contraire, nerveux. Ah, oui. Voilà. Oui. Alors, 8 pour Nicolas. 10 pour Lucille. Dernière manche de qualification. Tenez, si vous voulez jouer avec nous, on vous cache les mots. Vous êtes d'accord? On vous cache les mots dès maintenant. Comme ça, c'est Nicolas qui va devoir les faire deviner à Cyril. Et vous êtes tous des Cyril Féraud. C'est-à-dire qu'on est dans la même position que Cyril. On va devoir deviner, moi y compris. C'est parti. Enveloppe. Contenant. Raquette. Raquette. Argent. Couette. Je passe. Enveloppe. Enveloppe, poste. Passe. Passe. Marin. Marin, bateau. Métier. Navigateur. Marin. Moussaillon. Je sais pas. Facile. Incroyable. Incroyable. C'est quoi? Incroyable. Pêcheur. Incroyable. Ah oui, marin pêcheur. Ah bah oui, c'est tout bête. Le premier, vous l'aviez à la maison, le premier mot? Ous. Et là, vous l'aviez, hein? Ous. Ous, ouais. Le deuxième mot, vous n'avez pas voulu le jouer, c'était Bekti. Laila Bekti. Voilà. Donc on sait que vous ne serez pas finaliste. Et on sait que c'est Lucille. Pour l'instant, vous avez 10. Voici donc la dernière manche de qualification pour vous. Cool, parce que vous êtes finaliste. Mais pour le jeu, on vous cache les mots également. D'accord? Comme ça, vous êtes toutes et tous des Ariane Brodier. On y va.
Chat, chien, toucher, caresser. Substantif, caresse. Passe. Vêtements, habits, accrocher, pendre. Instrument, pince, passe. Cintre, c'était cintre. Clarté, obscurité. Téléphone, mobile, portable. Là, vous avez lâché, là. Ouais. Alors, est-ce que vous les aviez à la maison? Le premier, caresse. Le deuxième, c'était Gagarine. Yuri Gagarine. Vous n'avez pas joué. Gagarine, Yuri Gagarine. Le troisième, c'était Cintre. Oui, Cintre. Et puis, il y avait obscurité. Deux points supplémentaires, vous aviez 10. Ça fait que vous avez 12. Vous êtes la finaliste. Nicolas est un bon joueur, mais il a trouvé plus fort que lui. Merci en tout cas. Vous allez assister à la finale dans le public avec Ariane Brodier, car il s'agit d'une finale mixte. Vous allez jouer avec Cyril, qui vous a apporté le plus de points. Donc, ma chère Lucille, vous qui nous regardez, vous avez envie de jouer avec nous, de gagner la somme de 3000 euros que l'on met à chaque fois en jeu une fois par mois. Les indices sont alors chanteur, Charles et Bohème. D'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce un Beko ou de Aznavour? Je vous répète les indices, chanteur, Charles et Bohème. Envoyez votre réponse en haut de par SMS au 72121, ou alors si vous préférez, vous pouvez téléphoner au 3632. Vous avez environ 5-6 minutes pour jouer, tirage au sort, donc à la fin du mois. C'est, oui je sais, c'est long, mais c'est facile, vous jouez comme ça, 3000 euros. Et si c'était vous, tentez votre chance, car si vous avez la bonne réponse, tirage au sort, ça peut quand même vous rapporter 3000 euros. Voici la finale, non pas 3000, non pas 5000, non pas 10 000, non pas 15 000, non pas 18 000, mais 20 000 euros en jeu pour Lucille.